Je vais vous mettre les photos et les vidéos après. Les gars, c'est très très grave ce qu'ils fassent. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que vous êtes pas prêts de ce que vous allez voir là maintenant. Vraiment, vous êtes clairement pas prêts. Je vous explique. Et je pense que c'est j'ai fait des injections. Et c'est pour ça que tu les as amenées hier soir. D'un produit. Un produit qui va absorber le reste que j'avais avant de quand j'avais fait les injections. Du coup, je me retrouve avec la bouche comme ça, les gars. Donc ça, c'était mes lèvres quand j'ai injecté le produit, donc le hyaluronoridase, un truc comme ça, bref, je vous l'ai écrit juste avant. Et c'est normal, du coup, les lèvres, je peux vous assurer, c'était énorme. Je vais vous mettre une photo juste après. Quand j'étais du coup au cabinet, c'était quand même déjà énorme. Mais c'était rien comparé à ce qui m'est arrivé pendant la nuit. Sur le visage, les lèvres et tout, et qui aiment pas, et du coup ils veulent enlever. Donc pour enlever, tu dois te faire injecter un produit pour que ce produit vienne absorber l'acide hyaluronique. On est bon jusqu'ici? Et du coup, bah, je me fais injecter ce produit-là par quelqu'un qui est diplômé, je tiens bien à préciser. Et en fait, quand tu te fais injecter ce produit-là, c'est normal que tes lèvres gonflent. C'est tout à fait normal. Donc quand j'étais au cabinet, mes lèvres gonflent. Mais pour moi, c'est normal. Alors, je vous gonfle. Mais en fait, pendant la nuit, mes lèvres, elles ont pas juste gonflé. C'est tout le bas de mon visage qui a gonflé. Genre, tout ça, ça a gonflé. C'était hallucinant. Et en fait, au début, avant que ça gonfle, on m'avait prévenu que mes lèvres allaient gonfler. Donc, comme je vous ai montré avant, parce que je trouve que déjà, juste mes lèvres, c'était énorme. Et on m'a dit que c'était normal et que ça allait dégonfler après 8 heures, à peu près 8 heures. Sauf que du coup... J'ai été coupée, sauf que du coup pendant la nuit, c'est pas que ça a gonflé, c'est que c'était plus moi. C'était plus du tout moi du tout, mais quand je dis du tout, c'est du tout, du tout. C'était plus moi, c'était... Tu me reconnaissais pas. Je vais vous mettre les photos et les vidéos après. Les gars, c'est très très grave ce qu'ils fassent. C'est très grave. C'est très grave. Je crois que vous êtes pas prêts de ce que vous allez voir là maintenant. Vous êtes clairement pas prêts. Je vous explique. Et je pense que c'est réciproque. J'ai fait des injections. Et c'est pour ça que tu les as amenées hier soir. D'un produit. Je pense que c'est d'un produit qui va absorber le reste que j'avais avant. De quand j'avais fait les injections. Du coup, je me retrouve avec la brousse comme ça, les gars. Mon visage est déformé. Vous savez que je suis en train de voir les vidéos en vous les postant et je suis encore choquée. Genre, même elle. Je crois que c'est un filtre. Moi j'ai envoyé du coup à mes copines parce que j'étais toute seule, j'étais à l'hôtel en tournage et tout. Je me suis dit mais comment je fais moi dans ce genre de moment, j'ai besoin. Ma mère elle est là pour s'occuper de moi, elle prend soin de moi, elle me rassure et tout. Là j'étais toute seule. Et du coup à ce moment-là en fait je comprends qu'il y a un problème. Genre je comprends que c'est plus que mes lèvres qui ont gonflé, c'est tout mon visage qui a gonflé. C'était devenu un truc de ouf. Et je sais pas comment mais j'ai relativisé de ouf. Genre j'ai pas paniqué non plus trop. Enfin au début non. Et je me suis dit que bah voilà qu'il y avait un petit souci mais que ça va aller. Donc je vous cache pas que je paniquais de ouf. Et moi mon premier réflexe quand j'ai des problèmes c'est que je vais regarder sur internet. Sauf que là je l'ai pas fait parce que je savais que si je l'ai regardé et que j'aurais vu un truc bizarre, j'aurais paniqué, j'aurais fait une crise cardiaque, je serais morte là sur le coup. Donc je décide de rester au lit et d'appeler ma mère, d'appeler un peu les gens que je connais autour de moi pour leur demander conseil. Vous me voyez en rigoler maintenant mais c'est pas rigolo en vrai de vrai. Enfin, c'est pas que c'est rigolo ou que c'est pas rigolo mais c'est que franchement la vérité j'ai vraiment frôlé la catastrophe. Genre j'ai vraiment frôlé la catastrophe parce qu'en fait ça peut venir prendre votre gorge, vos poumons et tout et ça peut la langue et tout et ça peut du coup bloquer votre respiration et vous pouvez avoir de la difficulté à respirer et du coup bah ça peut être très grave. Du coup quand je suis allée à l'hôpital, parce que je vais vous expliquer la suite après, quand je suis allée à l'hôpital on m'a dit qu'il y a des gens qui sont hospitalisés pendant 2 semaines à cause de ça parce que du coup bah ça part pas et je crois qu'il y a un nom pour ça, faut que je demande à Cyrine d'ailleurs, elle m'avait dit. Toutes les personnes que j'appelle, on me dit Marotte, tu fais une allergie. Moi, je voulais toujours pas croire que je faisais une allergie. Je pensais que c'était toujours normal. Je sais pas quand. En fait, quand je regarde les vidéos, je me dis mais comment est-ce que j'ai pu croire que c'était même normal? Genre, c'est pas possible que ce soit normal. Du coup,
je me suis dit, là, la seule chose que je peux faire, c'est soit je vais à l'hôpital maintenant, soit j'attends quelques heures et... Donc, je décide du coup de rester à l'hôtel et attendre... J'attends que les nanas le finissent. Je décide de rester à l'hôtel et d'attendre quelques heures et voir comment est-ce que ça va évoluer, si ça empire, si ça dégonfle ou quoi. Et du coup, bah, je comprends en fait clairement que je suis clairement en train de faire une allergie. Cyril, elle me disait, mais tu fais une allergie. Moi, je disais, non. En fait, je faisais clairement une allergie. Et moi, il faut savoir que mon visage, j'ai beaucoup de problèmes avec, ce que je mets sur mon visage, etc. Parce que genre, je suis même allergique au soleil. Pour vous dire, je fais des insolations urticaires quand je me protège pas. Bah, j'ai le visage qui gonfle comme ça, mais à cause du soleil. Surtout quand je vais genre en Thaïlande, quand je suis allée aux Maldives et tout, bah, j'ai le visage qui déforme. Parce que du coup, je suis allergique au soleil. Je dis si je dors, parce que moi quand je dors, je peux avoir un couteau planté dans le dos, je peux dormir. Et du coup je me suis mis à un réveil à 9h pour voir bah, du coup l'évolution de mon visage et si ça avait dégonflé, bah tant mieux. Et si ça avait pas dégonflé, bah il fallait que je me rende aux urgences. Donc le lendemain je me réveille et c'est toujours gonflé, mais c'est moins gonflé que la nuit. Je vous montrerai encore une vidéo et photo et j'ai décidé quand même de me rendre à l'hôpital parce que je devais tourner et je pouvais pas tourner dans cet état-là. Je me reconnais pas, genre. Je ressemble à un animal, genre un télétobie, ou je sais pas. Je sais plus quoi dire, je vous jure. Voilà, donc je me suis rendue aux urgences et en fait bah, j'ai appris qu'en fait j'étais allergique à ce produit-là. J'étais allergique aux produits du coup pour enlever les injections et je ne supportais pas et mon corps ne l'a pas supporté. Du coup bah c'est pas que c'était de ma faute ou que c'était pas de ma faute, c'est que c'est vrai que moi je suis jamais allée voir un allergologue. Je crois que c'est celui qui te fait tes tests, enfin pas je crois que c'est celui qui te fait tes tests pour savoir à quoi t'es allergique. Et c'est vrai que j'ai jamais fait ces tests-là et j'ai toujours su que j'étais allergique à la chose quand du coup par exemple j'ai su que j'étais allergique aux guêpes quand je me suis fait piquer par une guêpe parce que j'ai gonflé aussi de ouf. Bah le soleil aussi, je fais des insolations urticaires mais je savais pas que j'étais allergique au soleil très 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 fort avec des UV hyper hyper puissants. C'est vrai que moi je suis jamais allée voir un allergologue. Je crois que c'est celui qui te fait tes tests, enfin pas je crois c'est celui qui te fait tes tests pour savoir à quoi t'es allergique. Et non pas parce que j'ai fait, vous dites, de la chirurgie ou des injections ou quoi. Enfin oui, là j'ai fait des injections, mais en l'occurrence c'était pour enlever ce que j'avais. Et non, au contraire, parce que c'est vrai que je suis un peu dans une phase où... alors bien sûr, je ne suis pas du tout contre la chirurgie, vous faites ce que vous voulez. J'en ai fait moi aussi, enfin les lèvres. Mais c'est vrai que je suis un peu dans un mood où je suis plus en mode... voilà, j'aime bien le naturel, Je sais pas si vous avez remarqué, mais je me maquille beaucoup moins qu'avant et tout, etc. C'est la sœur de Marois. On dirait que c'est ma sœur. C'est ta sœur qui a plus de poids et qui est plus vieille. Ouais. Ouais, voilà. Merci Cécilia. Et en fait, bah, du coup, bah, mon corps, il a pas du tout supporté ce produit-là. Et c'est pour ça que ça m'a rendue comme ça. Et ça a pris peut-être 3 jours à ce que je dégonfle. 3-4 jours à ce que je dégonfle complètement. Parce qu'il y a encore 2 jours, j'étais encore gonflée à ce niveau-là. On aurait dit que j'ai pris 20 kilos, mais genre vraiment, je vais vous montrer encore aussi. Donc là, c'est pas Marois qui vous parle, c'est la sœur de Marois. Qui a juste 20 kilos en plus. C'est sa grande sœur, tu sais. C'est ça, hein. C'est exactement ça. Mes potes, ils me taillent, ils me disent c'est toi. Sur le moment, je vous avoue que j'ai pas trop pris ça au sérieux. Genre, j'ai limite pris ça à la rigolade, mais en vrai de vrai, ça vraiment, quand je dis que j'ai frôlé la catastrophe, c'est que vraiment j'ai frôlé la catastrophe et ça aurait pu être beaucoup plus pire. Et du coup, bah, Dieu merci, j'ai de la chance que du coup, bah, ça n'a pas attaqué mes poumons, etc. Enfin, j'avais un peu de peine à respirer et tout là, ça me grattait.
partout ici, ça me grattait parce que ça tirait ma peau, c'était horrible. Et puis du coup, moi vous me connaissez, je suis quelqu'un, je relativise beaucoup, c'est-à-dire que même quand il m'arrive des merdes, bah, j'arrive toujours à trouver le truc qui me dit que c'est bon, ça va passer, ça va aller. Et heureusement que j'étais clairement dans cette optique-là. Et pour vous dire, genre, j'ai tourné avec le visage hyper gonflé comme ça, comme je vous ai dit juste avant. Mais je m'en foutais, pour moi, le plus important, c'était que maintenant... moi, vous me connaissez, je suis quelqu'un, je relativise beaucoup. C'est-à-dire que même quand il m'arrive des merdes, bah, j'arrive toujours à trouver le truc qui me dit que c'est bon, ça va passer, ça va aller. Et heureusement que j'étais clairement dans cette optique-là. Et pour vous dire, genre, j'ai tourné avec le visage hyper gonflé comme ça, comme je vous ai dit juste avant. Mais je m'en foutais, pour moi, le plus important, c'était que maintenant, je sois guérie et qu'il fallait juste que mon visage dégonfle parce que j'aurais pu mourir. Donc voilà, je vous en avais parlé, je vous avais dit que j'allais vous en parler, donc je vous en parle. Et aussi, bah, vraiment, encourage à aller faire des tests chez votre médecin ou chez des personnes qui font ça pour voir à quoi vous êtes allergique, parce que ça peut être super super dangereux. Moi là, quand je vais rentrer, bah, je vais aller faire ça parce que ça y est, j'en ai marre, j'ai l'impression qu'à chaque fois il m'arrive des problèmes comme ça, donc je préfère savoir du coup je suis allergique à quoi, comme ça au moins je suis sûre et je peux rester prudente. Voilà. Pour sensibiliser aussi les filles, ne faites pas les injections chez n'importe qui. Aujourd'hui, il y a tout le monde et n'importe qui peut les faire. Faites-les chez quelqu'un qui est diplômé. Faites-les chez quelqu'un qui est diplômé. Voilà, c'est pour faire une petite parenthèse parce que j'ai vu plein de choses sur les réseaux. Ouais, Marwa a voulu toucher à son visage, elle s'est loupée, blablabla. Pas du tout, au contraire, j'ai voulu faire ça pour enlever et retrouver du coup ma base naturelle que vous voyez maintenant. Là, c'est clairement mes lèvres. J'ai rien, j'ai pas décidé, absolument rien du tout. Et je ne pense pas du coup refaire, enfin je veux pas, je pense pas. Et puis voilà, je sais qu'il y en a qui vont se foutre de ma gueule. Il y en a qui vont reprendre les photos, il y a des blogueurs, il y a des pseudo-blogueurs aussi qui vont reprendre et qui vont dire que je mens ou quoi. Absolument pas, j'ai aucune raison de vous mentir, je vous dis strictement la vérité. Et puis voilà. It's like you're...